D'abord, c'est une ville de 85 000 habitants, c'est une ville qui est à côté de la Défense, c'est une ville qui s'ouvre sur l'international par l'ouverture d'un lycée international et l'ouverture d'une école européenne qui va ouvrir en septembre 2019. On a pensé à un guichet unique et qui permet aux entrepreneurs ou à ceux qui vont créer l'entreprise d'avoir tous les renseignements. Car aujourd'hui, la difficulté, c'est de se promener un petit peu partout et ne pas avoir le renseignement. Donc, nous avons souhaité avoir un guichet unique. Je pense que dans l'ensemble, ce qui compte maintenant, c'est que la ville s'ouvre à l'international, et c'est ce qu'elle fait, en accueillant des entreprises étrangères, des sièges sociaux nationaux et internationaux.